Genre. Cabane de Congermann, ah oui, d'accord. Je vois. Je vois, je vois. Bien, c'est parti. Déjà d'entrée de jeu. C'est juste impressionnant, quoi. Bon, alors il y a apparemment pas mal d'endroits, faut pas avoir le vertige. Donc voilà, âme sensible, s'abstenir. Vous voyez, ça, là ça cale bien. Ouais. Il vaut mieux avoir de la crème, casquette, lunettes, eau, la totale quoi. Les amis, vous avez vu cet endroit magnifique. Donc là, je suis arrivé à la voiture. J'ai terminé la rando des lacs de Lignin. J'ai repris la voiture. Je suis redescendu à peu près au niveau de Colmar. Et en fait, on roule 3-4 km. Et on arrive sur un petit village d'où j'ai oublié le nom. Villard quelque chose, je sais pas, j'ai oublié le nom. Paradisiaque, hein, quand même. Qu'est-ce que c'est beau, pa. Petit endroit improvisé. Voilà, j'en avais entendu parler, mais je pensais pas le faire aujourd'hui, hein, honnêtement. Mais comme c'est juste à côté, et comme je viens pas tous les jours dans les Alpes-de-Haute-Provence, je me suis dit non mais là, obligé, ça il faut le faire. Oh là là. Franchement, il y a un petit. Vraiment, je trouve, regardez quand même, il y a un petit côté Yosemite quand même. National Park Yosemite, you know. Non, vous trouvez pas? Quand même. Là, je peux vous dire que depuis hier, j'en prends mais plein la tronche, quoi. J'en prends plein la vue de paysages. Incroyable, époustouflant. C'est magnifique, magnifique. Je sais pas combien elle est la chapelle, mais. Bon, je peux entendre par là et on verra. Le pin sylvestre. Un conquérant aux faiblesses cachées. Voilà. Comme elles sont heureuses, elles, ici. Ah, comme elles sont bien. Le mélèze, un géant aux mains de velours. Ouais, ouais, c'est de toi qu'on parle. Ouais, ouais. Effectivement, elle était vraiment pas loin, la chapelle. Ça, c'est une bonne nouvelle, comme ça. Peut-être que je vais retourner de l'autre côté, vers la cabane de Congermann. C'est fou, on allait construire ça ici, là.
Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Wow. ...1879. Ah ouais. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si... Attendez. On a l'air de bien voir, ouais. Déjà rien que ça là, le petit dos. C'est bien chaud. Hein, pas beaucoup de nuages. En fait, par ici, on peut rejoindre les lacs de Lénien. Alors, je sais pas où, à quel moment, mais. C'est beau. De toute façon, j'irai pas jusqu'à la cabane de Congermann parce que c'est à 5 heures. C'est à 2 heures d'ici. Là, j'ai pas la foi. Là. Ah, ça commence un petit peu à se rétrécir. Waouh. Ah, si j'avais mon drone là. Bah, je l'ai pas. Là, le chemin il commence à devenir je pense de plus en plus étroit. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Alors, vous voyez là, pas se louper, hein. Restez bien sur le chemin, hein. Eh ben dis donc, on prend plein la tronche. Hein. Là, c'est quand même un peu haut. Je vous ai bien eu, hein. Vous pensiez vraiment qu'on était en France? On a Yellowstone. On pourrait y croire. Je déconne.
On est bien dans les Alpes de Haute-Provence. Ah, y a pas de mots, hein, y a pas de mots quoi. Oh, le chemin là-bas, par contre, je vous jure qu'on se sent tout petit. Hein. Ah, le Verdon, hein. c'est un gros client, hein. C'est un très très gros client. On n'a rien à envier aux Américains là, hein. Avec leurs parcs nationaux, on n'a rien à leur envier, hein, je vous le dis. Hein. Faut juste arrêter Netflix et sortir de chez vous, il y a plein de trucs, hein. Il y en a partout, hein. Mais partout. Faut juste savoir regarder. Je suis pas prétentieux quand je dis ça, hein. C'est pas franchement, je fais pas, c'est juste que c'est la vérité quoi. Ça regorge de trésors ici. Regardez ça. Ça vaut mieux regarder devant. C'est plus sage de regarder devant. Il va y avoir une vue là. Oh là là là. Trop beau. Oh, il est beau lui. Petit papillon. Oh, oh mon Dieu, mon Dieu. Ouf. Pas mal la petite cascade. Sympa, oh, avec les gorges là. Oh, que ça a l'air beau là-dedans. J'espère qu'on voit de là-bas. Oh, regardez les oiseaux, c'est trop beau. Oh, on se croirait dans un dessin animé Pixar, là, vous savez. Truc où c'est pas possible, où tout est beau, tout est un rêve à chaque fois. Tu te dis, mais c'est où qu'ils habitent Ben voilà. Pixar, Disney, machin là. L'eau qui coulait. Hop là, magnifique. Franchement, les amoureux de la nature, les amoureux de...
amoureux des endroits un peu insolites, un peu magnifiques, mais il faut venir, absolument venir ici. Hein. Je vous le dis, c'est un paradis quoi. Oh là là, regardez ça. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, mais... Mais mon Dieu, mon Dieu. Regardez tous ces sapins, tous ces arbres. Vous savez quoi? On arrive dans le monde d'Avatar. Ouais. On va arriver au truc suspendu là, les jardins de Babylone là, suspendus là. Alors là, franchement, c'est une claque monumentale dans la tronche. Hein. Je viens de me faire une rando vraiment, mais vraiment très jolie. Mais avec ça derrière... Putain. Incroyable. Jacques Martin serait là, qu'est-ce qu'il dirait Jacques Martin? Incroyable, mais vrai. Bon, je dois arriver à un pont normalement, je sais pas où il est. Where's the bridge? Vous savez quoi, c'est une chance d'être ici. Hier, j'ai demandé à l'univers des choses. Alors, regardez ce qu'il me donne aujourd'hui. Voilà. Voilà. Pas besoin d'aller à Perpète dans des palaces 5 étoiles qui coûtent une blinde. Ici, ça coûte pas une thune. Et puis, c'est juste... Voilà, c'est juste ça, quoi. Vous savez pourquoi je faisais le rapprochement avec Avatar? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai plein de papillons qui viennent se poser. Et ça me fait penser à Avatar quand les trucs là qui viennent se poser. Là. Ça, c'est le truc chiant quoi, tu vois, tu tapes toutes ces bornes, tous ces... Et puis t'arrives et puis t'es pas chez toi quoi. Mais regarde, ah, voilà, tiens, bah ça vous apprendra, voilà. Ça vous apprendra bien ça. Alors, même un petit coin à l'ombre. Wow. Voilà, on va être bien là les cocos. Je suis naze, je suis complètement naze. Voilà, je suis sur le retour là. Et je vous dis franchement, j'ai vraiment hâte d'arriver à la voiture pour me taper encore 2 heures de voiture. Et voilà, on finit la rando on finit la balade avec un chamois. Si c'est pas la classe, ça. Il est venu nous saluer spécialement.
Merci chamois. Dors. Ah, c'était nul ça. Ah, ça c'est nul.